commissaire gouvernement toujours mentionné ça et dans Wally il y a question sécurité c'est lui même qui chef poursuite il y a pour le mater gang yo pas pour l'exécuter non il pas gain droit pour l'exécuter mais chef poursuite il fait pour jam et bien commissaire gouvernement Port-au-Prince une particularité mettre la fontaine depuis le retourner dans paquet Port-au-Prince son dossier pas jamais traité du tout question gang nous quand il a parlé parfois de affaire volette c'est gang tout qui a popé mais gang criminel qui a kidnappé moun qui a fait bayo il pas parlé de yo c'est crime tout volette à tout fait son package mais fois ça il paraît une note pour la presse et en même temps il mettait dehors et une conversation il était gagné avec responsable la police dans l'ouest qui divisé en deux qu'il y a DDO c'est DDO 1 DDO 2 et il pas mettait non non et correspondance Steve Balian mais nous connaît la parler là avec Serge Alain Jolicoeur ou bien Jolicoeur Serge Alain nous pas comme ça prénom qui ça non et qui c'est commissaire divisionnaire et DDO l'ouest 1 côté après te fin une conversation dans téléphone avec ça passé hein li mandel pour voyer la police accompagner puis à l'ouvrir une enquête sous place mais faut gagne blindé qui pour accompagner mais ça le dit di voyel bay directeur départemental l'ouest DDO 1 et di pa mete non nan correspondance non ki pote date jodi an li di monsieur directeur commissaire gouvernement boko tribunal première instance Port-au-Prince non salio et la tri civilité et li mando pou akompanyel pou bali yon escorte la police avec pou pipiti deux blindés pour capable aller dans paquet Port-au-Prince nous connaît kounya sous contrôle gang et village de Dieu pour capable al constater dégâts qui enregistré dans date 10 juin 2022 après attaque armée paquet Port-au-Prince qui c'est palais du système t'es subi dans mes gang armée pour capable al récupérer dans même moment tout une série de dossiers qui dans bureau substitut commissaire gouvernement yo en bas. Alors c'est toujours commissaire gouvernement qui a parlé avec DDO numéro 1 et DDO 1 parce que DDO 2 commissaire et gouvernement dit li obligé écrire lettre ça pour faire réquisition ça de façon formelle et puisque li obligé signifier au dit parce que l'elle t'a pas la avoir dans téléphone li senti ou te gan pile réticence dans conversation te gavon dans téléphone sous ça jour qui était dimanche 12 juin 2022 dans sa argument ou te bali te laissé le comprendre pour ta capable répondre à demande pour voyer la police accompagne pour faire constat pour dégâts qui t'est fait en bas plus pour récupérer des documents et bien faut li gagner OK supérieur hiérarchique qui sous tête li et pour capable prendre mesure ça pour accompagner paquet. C'est peut-être ça, moi écrit aujourd'hui d'après sa commissaire gouvernement dit DDO 1. Pour raison ça, eh bien moi prend acte et concernant question transport ça nous mandé pour t'amener nous sur les lieux pour la police accompagner qui a permettre nous l'ouvrir une enquête contre monde qui fait zak sa yo, auteur co-auteur, monde qui dans complicité avec yo, qui c'est un attentat, yo fait contre un symbole régalien de l'État. Qui se palais de justice tant qui symbolisait pouvoir la justice dans pays a m'espérer démarche ça la retenir attention avec sens responsabilité et puis il finit pour signer maître Jacques Lafontaine commissaire gouvernement a il nous connaît Port-au-Prince il pas signé a il commissaire gouvernement donc c'est lettre ça li voyer bail jodia qui peut être jodia li voyer bail responsable police dans l'ouest mais c'est division 1 et qui c'est Serge Alain Jolicoeur commissaire divisionnaire nous pas connaît qui réponse les jeunes et puis gagné fois ça une note pour la presse mais commissaire gouvernement fois ça c'est paraphle il mettait pas mettait non et côté note pour la presse commissaire gouvernement et concernant attaque armée et qui fait contre palais de justice à Port-au-Prince mais ça le dit attaque violent et attaque armée palais de justice dans subi jour qui était vendredi 10 juin 2022 nous capable dire carrément c'est un attentat contre la sûreté intérieure l'état d'après commissaire gouvernement il assimilé à ça et puisque
li vise pour craser fondement même un symbole régalien l'état et l'elle attaqué par la justice non. Et situation ça son situation pour pipitine capable dit qui insupportable et qui pas manqué fait monde met deux mains en tête alarmé et révolté conscience moun qui comprend ça qui passé il dit conscience éclairée et devant qualité situation ça c'est toujours notre et pour la presse commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Lafontaine commissaire gouvernement dit pas qu'arrêter bras croisés et conscience li bouleversé li interpellé et en même temps consterné ces deux mains en mâchoire les l'a regardé dégâts qui enregistré après attaque armée ça qui fait contre palais de justice non li annoncé déjà li l'ouvri et yon information judiciaire enquête contre moun qui fait zak sa yo qui c'est son crime et auteur co-auteur moun qui nan confio lo avec yo complice concernant zak sa et nan souci pour li capable bail continuer bail population on série de services de proximité et dans ça qui concerne fonction et paquet d'après ça le dit et à travers et décana et tribunal et première instance tant commissaire gouvernement dit li installé et pour un petit bout de temps et dans tribunal de paix section sud là dans Port-au-Prince service ça yo pour public là capable bénéficier qui service yo e, moun ki besoin à légaliser et acte papier yo, papier légal yo besoin légaliser yo et donc c'est dans tribunal de paix et section sud là c'est la service ça yo transféré service plainte moun ki besoin porter plainte moun ki besoin et pour bail exécuture et service ça yo transféré provisoirement dans tribunal de paix section sud là et puis tout et pour recevoir requête ak correspondance pour avocat ak citoyen kap chercher justice qui voulait pour prendre contact avec commissaire gouvernement c'est là pour y aller et puis permanence tout pour contrôle concernant question garde à vue et qui a fait substitut commissaire gouvernement yo et mais substitut commissaire gouvernement qui a occupé de ça maintenant Norgues et Gérald B Norgues c'est lui même qui a fait contrôle concernant garde à vue dans commissariat canapé vert à dans Port-au-Prince. Alors que maître Harry Jean-Paul et lui-même, c'est lui-même qui a fait contrôle concernant garde à vue dans commissariat Pétionville avec sous-commissariat et Thomasin et puis à commissariat Kinskoff. Et maître Aristide Williams, c'est lui-même qui a fait contrôle concernant garde à vue dans commissariat Delma 33. Donc paquet Port-au-Prince non, il a fait toute salle capable pour continuer exercer pouvoir poursuite li. Et la loi oblige le faire et avec la constitution on amène comme boussole et voilà c'est commissaire gouvernement qui ses premières réactions depuis vendredi puisque il pas de faire aucune intervention dans la presse malgré sollicité nous même nous t'ai sollicité et avec l'autre confrère tout est sollicité donc c'est commissaire gouvernement et concernant ça qui passé hein, et qui mandait pour la police et direction l'ouest 1 et bal de blindé pour accompagner pour entrer dans palais de justice non jusqu'à présent nous pas connaît qui réaction la police dans pire niveau